tu sais quoi ? Alors, ce qui arrive maintenant, ça serait un peu marrant. La semaine dernière, oui, c'était pareil. On était à, je sais pas, 0,15, un truc comme ça. Pierre, on a remonté, on est arrivé là, là. Et après, on n'a pas gagné. Ça va aller. Lindsay et ses interventions. On lui a demandé ce qu'elle affectionnait entre la viande et le poisson. Il dit, moi, j'adore le poisson, mais bizarrement, je mange que de la viande. Bon, 7-2. Yes. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais vous faire écouter des génériques de films. Okay. Et il va falloir deviner de quel film ou série il s'agit. Il ne voit rien, du coup. Bah, écoutez, on va découvrir maintenant. Premier générique. Écoutez ça, c'est plutôt marrant. Ah, mais oui, c'est ivoirien. C'est ivoirien. Qui fait ça? Qui fait ça? Ma famille. Notre famille. Merci. Notre famille. Très bien. À quel téléfilm ou série appartient ce générique-ci? Ou ce jingle? On va pas mâcher. Dites merci à vos frères. Franchement, ils vous sauvez. Deux. Troisième générique. Oui. Qui fait ça? Non. Balle poussière. Ce qui va passer, on va rejouer, mais prêtez attention. Ok. Ouvrez grand. Vous aurez. Oreilles. On écoute. Les Guignols d'Abidjan. Wouh! Les Guignols, il y en a de toutes sortes. Hein. Il y a les Guignols de l'info et tout ça. Guignols d'Abidjan. Produit par Feu Daniel Cussac. Oui. Celui qu'on appelait affectueusement le Wolof Otuwabou. Entendez le Sénégalais blanc. Ce n'est pas une émission. Ce n'est pas un film. Melrose Place. Ah ben oui, non, on est en Côte d'Ivoire. C'est une émission de télé. J'ai oublié. J'entends. Assita qui exige qu'on réécoute. Oui. Bon, allez, on va y rôter. Mais en plus, je sais ce que c'est. Vous l'avez pas? Non, je l'ai. Télescope. Non. Ouais, mais il y a quelque chose comme ça. Télescope. Mais sur les décennies. Comme dirait quelqu'un. Comme dirait quelqu'un, Pierre is back. Pierre, c'est ça, c'est il écoute et lui. Bon, allez. Ah ouais. Oh. C'est une série télé qui arrive. Ok. Faut pas fâcher. Faut pas fâcher. On a déjà non, dit. C'est pas ça. Non. Qui fait ça? Ah oui, c'est le. C'est du Ernesto JJ. Oui. Qui servait aussi de musique de générique pour cette série diffusée à l'époque sur la radio diffusion télévision ivoirienne. Qui fait ça? On est chaud. Ce qui arrive, c'est plutôt un film grand écran, cinéma ivoirien plus exactement. Balle poussière. Oh non, je vais le dire. Non, ça m'énerve. 12-3. Oh là là. Avant-dernier track de Ce connais-tu mon beau pays. Grand écran, cinéma. Au nom du Christ. Pensez à Henri Duparc. Ouais. C'est peut-être sa toute dernière production. Avant qu'il ne tire sa révérence. C'est moi, c'est pas possible. Je vous donne un indice. Oui. Pensez à une friandise. Caramel. Oh non! Ah
Jamel. On va plus jamais m'inviter. 13 pour la impro. Franchement, Pierre, c'est vraiment pas cool. Les Niaoré, pour l'instant, on est à 3. Laisse-moi gagner. Il va faire. Non. On va écouter ce dernier track correspondant à une série télé ivoirienne. C'est drôle. C'est la cité. Je me repose un peu, tu vois. Sida, dans la cité qui permet à l'équipe des Akros de marquer un autre point précieux. Okay. Vous êtes désormais à 14. Ça va aller. Contre 4.